Un programme qui a su s'attirer les faveurs de Bruno Le Maire. S'il affectionne tout particulièrement la littérature et la musique classique, l'actuel ministre de l'Économie et des Finances est un grand admirateur de l'amour et dans le pré. En effet, l'homme politique de 54 ans aime regarder l'émission de speed dating avec sa famille, comme il le révélait à nos confrères du Parisien, le 12 septembre 2011. Au cours de cette interview, le mari de Pauline Le Maire faisait l'éloge de ce programme présenté par Karine Le Marchand. J'y retrouve les valeurs des agriculteurs. Ils sont humains, fidèles, droits et honnêtes, confiait-il. Bien que certains participants puissent parfois être maladroits, Bruno Le Maire sait que leurs sentiments sont sincères. Lorsqu'il était ministre de l'Agriculture sous la présidence de Nicolas Sarkozy, de 2009 à 2012, Bruno Le Maire n'hésitait pas à passer un moment avec d'anciens candidats de l'émission culte de M6 sur le Salon de l'Agriculture. Ceci a notamment été le cas le 1er mars 2012, comme l'ont relayé nos confrères de l'Express. Le père famille a profité de sa rencontre avec des candidats de la saison 6 pour faire l'éloge des agriculteurs. Si l'amour est dans le pré permet de faire davantage connaissance avec les paysans. Ça fait plaisir. Vous avez tous été d'excellents candidats, vous avez présenté un beau visage de l'agriculture française. Déclarait-il. Conscient de l'impact de ce programme sur des millions de Français, le ministre a souhaité le récompenser. Bruno Le Maire est un grand fan de l'amour et dans le pré, a confié Pierre, agriculteur emblématique de la saison 7, à Gala. FR. Avant de poursuivre, quand il a regardé la manière dont Karine mettait en valeur le quotidien des agriculteurs, leur métier et leur simplicité, il s'est dit qu'elle méritait l'or du mérite agricole. C'est le sommet pour un agriculteur. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. C'est Bruno Le Maire à l'origine d'un projet des agriculteurs de l'amour et dans le pré. Cependant, Bruno Le Maire n'a pu organiser cette remise de médaille. Après la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande, il a donné les clés de son ministère à Stéphane Le Foll. Lorsque ce dernier a composé son équipe, il a nommé Rémi Branco comme directeur de cabinet. Et tout comme Bruno Le Maire, le politique est un admirateur de l'amour et dans le pré. Dès lors, il a soumis l'idée de cette récompense à l'ex-ministre de l'Agriculture. Il lui a dit, on va faire cette fameuse remise, s'est souvenu Pierre. Et de poursuivre son récit, ils ont donc appelé Karine Le Marchand pour lui remettre cette récompense rue de Varennes. Entourée de sa famille et d'anciens participants de l'amour et dans le pré, la présentatrice a été nommée chevalier de l'ordre du mérite agricole, le 1er mars 2013. À la suite de cette distinction, les ex-candidats ont eu un véritable déclic, on s'est dit qu'on avait un socle commun. Il y a eu un véritable esprit de famille à partir de ce moment, a révélé Pierre. Dès lors, les agriculteurs du programme Champêtre ont décidé de s'unir autour d'un projet commun, la DP Tour. L'objectif de l'ADP Tour est de soutenir d'une manière logistique l'agriculteur qui tient l'événement chez lui, a expliqué Frédéric, l'épouse de Pierre. Tous les 3 mois, les agriculteurs donnent rendez-vous aux Français pour leur faire découvrir leurs produits. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.